Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 11 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Débriefons d'abord du quintet plus de la veille qui se disputait ce dimanche sur ce même hippodrome normand, à savoir à Deauville. Si Youzone s'impose de très peu et permet à Top Prono de donner tiercé des ordres de 138,10€, quarté des ordres de 229,19€, ainsi que le quintet plus dans le désordre faisant tout de même 424€. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, Turfi Mania réalise le gros coup de la journée en marquant 824 points. En donnant tiercé, quarté, quinté plus accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, il occupe seul la première position du classement du jour devant Pichelou 5 et Pivot Quintuple 5 qui complètent donc le podium du jour. Bravo à tous les trois. Allez, passons maintenant à l'étude du tiercé, quarté, quinté plus du mardi 11 août 2020. Prenons une nouvelle fois la direction de la Normandie et plus précisément de l'hippodrome de Deauville. Au départ du prix de la Barberie, première course de la Réunion 1, ils seront 16 galopeurs de 3 ans à espérer le sac lors de ce handicap très ouvert avant coup. Sur le tracé des 1600 mètres de la piste en gazon deauvillaise, la bataille sera terrible d'un bout à l'autre du tracé et les surprises probablement nombreuses. Aiguillère d'argent, le numéro 14 aura l'avantage d'être monté par l'insatiable Stéphane Pasquier. Maître dans le handicap, il sera en selle sur ce pensionnaire de Nicolas Clément qui n'a qu'à répéter sa dernière deuxième place pour espérer l'emporter ici. My Charming Prince, le numéro 6, monté par l'insatiable également Pierre-Charles Boudot, n'est pas loin du compte dans les quintés plus. Présenté par Frédéric Rossi et ayant un excellent finish, s'il est à portée de fusil des animateurs, il peut faire tilt. Elisive Foot, le numéro 4, est un représentant de la casaque de Jean-Claude Sérôle. D'une belle régularité dans l'ensemble et piloté par Christiane Demureau, s'il répète sa troisième place obtenue sur l'hippodrome de Vichy, il ne devrait pas sortir des trois. Kilkenning, le numéro 2, était mis au point par Yann Barbereau. Représentant de la casaque de Philippe Allaire, très connu chez les trotteurs, il pourra compter aujourd'hui sur la précieuse aide de Christophe Soumillon, ainsi que du numéro 1 dans les stalles de départ. Eyecatcher, le numéro 1, est le top weight du lot et assez largement. Henri Alex Pantal l'aimant bien, il peut logiquement espérer renouer avec le succès ici. Mayatello, le numéro 5, aura une cote amusante pour son premier handicap. Avec l'aide d'Olivier Pellier, il peut confirmer ses deux dernières tentatives victorieuses. En cas de non partant, Hippling, le numéro 7, qui débarque du sud-ouest de la France avec des ambitions, peut faire plaisir à Didier Guillemin. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos.